Bon allez, c'est la fin de cette magnifique soirée. On a bien sûr vécu de grands moments, la victoire de Liverpool contre Manchester United. Vous avez pu voir les avant-matchs avec les différentes compositions d'équipe. Merci à tous ceux d'avoir été aussi nombreux. Je m'excuse encore d'avoir pas pu faire Lyon-Monaco. Et donc on va faire bien sûr Paris Saint-Germain-Saint-Étienne. Victoire des Parisiens 2 buts à 0, doublé de Zlatan Ibrahimovic. Et donc au Parc des Princes. Et donc on va commencer avec le Paris Saint-Germain, qui a tout simplement maîtrisé son sujet en première mi-temps. On peut quand même être inquiet par rapport à cette deuxième période. J'ai trouvé quand même les Parisiens moins sereins que d'habitude. Laurent Blanc l'a dit d'ailleurs en conférence de presse. Il a dit qu'il les avait trouvés un petit peu moins bien. C'est le côté un peu perfectionniste de Laurent Blanc, mais d'un côté aussi, il a un petit peu raison, notamment en deuxième période, où les Stéphanois ont créé beaucoup d'occasions. Et je trouve d'ailleurs que les Parisiens ont baissé le pied, et beaucoup de joueurs qui étaient plutôt conquérants depuis quelques semaines ont plutôt baissé le pied à ce moment-là. Bon allez, on va passer donc aux notes, pas besoin de faire un speech de 3 km pour expliquer la victoire du Paris Saint-Germain. Certains verront bien sûr une maîtrise et une gestion des Parisiens, d'autres verront peut-être une méthode pour battre le Paris Saint-Germain. Allez, place maintenant, eh bien, aux notes. Salvatore Sirigu, qui a vécu une première mi-temps assez tranquille, à part une frappe qu'il a détournée, mais sinon c'est vrai qu'il a été relativement tranquille, mais en deuxième période, à ce moment-là, eh bien, il a eu beaucoup de travail à faire. On peut citer par exemple la frappe de Molo à bout portant, la super envolée sur la frappe de Tabanou. On peut également parler de Salba Yalsal. Il y a vraiment eu beaucoup d'occasions du côté de l'AS Saint-Étienne. Et justement, eh bien, Bernard Lama, qui avait un petit peu critiqué, avait un petit peu écorché Salvatore Sirigu, mais il a répondu de la meilleure des façons sur le terrain avec d'excellentes parades à ce moment-là. Ensuite, on a, eh bien, Christophe Jallet, donc 7 sur 10 pour Salvatore Sirigu. On a Christophe Jallet. Ben, on va dire que c'est vrai qu'on rappelle que Vanderbilt étant blessé, c'est lui qui était titulaire dans ce match-là. Et on a senti quand même la différence entre Grégory Vanderbilt et Christophe Jallet. Alors, certains parleront bien sûr de manque de rythme, mais je rappelle que la saison passée, eh bien, Christophe Jallet était quand même celui qui s'imposait et avait quand même des difficultés dans ce poste-là. Je rappelle d'ailleurs qu'il y avait toujours ces mêmes problèmes de retard. Quand ça commençait à accélérer, il avait des difficultés. Eh bien, ça se confirme encore cette saison, parce que voilà, par exemple, on a vu ce qui s'est passé avec Tremoulinas. Tremoulinas passait son temps à déborder et Christophe Jallet avait d'énormes difficultés à le tenir. Et plus que ça, il y a eu des énormes quelques erreurs de relance, il y a eu quelques difficultés au niveau des interventions. Alors, il n'y a pas eu de but, mais ça aurait pu vraiment mal se terminer si jamais l'AS Saint-Étienne avait eu par exemple un gars très virevoltant, comme par exemple Romain Amouma, par exemple. C'est vrai que avec un Benjamin Cornier qui était plus dans le central, c'est vrai que d'un côté, c'était plus en plus compliqué pour lui. Allez, 5 sur 10 pour lui, parce qu'en plus de ça, et bah, offensivement, je l'ai trouvé très discret. Et les centres qu'il a portés, on voit que Zlatan Ibrahimovic continue à râler sur lui, mais c'est un petit peu normal. Quand on essaye de centrer, il faut centrer de manière propre, au moins viser la surface de réparation. Quand Vanderbilt, on va comparer Vanderbilt encore une fois, quand il centre, la balle rentre à chaque fois dans la surface de réparation. Lui, la balle, elle arrive toujours soit dans le premier poteau, soit dans le troisième poteau. Et donc finalement, eh bien, ça commence à devenir très compliqué pour Christophe Jallet. Et surtout, ça obligerait peut-être les Parisiens, eh bien, à recruter. Et recruter un défenseur droit, un latéral droit, qui de formation, qui eux pourront réussir, eh bien, à faire mal à cette équipe. Parce que s'il y a une doublure comme Lucas Digne qui arrive et que par exemple Vanderbilt lui apprend un peu le métier et qu'il y a une vraie doublure et une vraie concurrence, parce que pour l'instant il n'y a pas concurrence entre Jallet et Vanderbilt. Pour l'instant c'est Vanderbilt qui est numéro 1, mais tellement largement. Et de l'autre côté on a Jallet qui est vraiment en dessous. Et ceux qui disent non mais c'est bon, arrête de être pessimiste, t'es pas français. Français ou pas, je m'en fous. Pour moi, Christophe Jallet à Leverkusen, il n'avait pas été bon. Et face, eh bien, à Saint-Étienne, il n'a pas été bon non plus. Allez, maintenant place à Thiago Silva. Bon, comme d'hab, hein, comme d'hab. Alors, c'est vrai qu'il a eu un petit peu de mal sur certaines frappes. Je l'ai trouvé un petit peu lent par rapport à d'habitude, notamment quand il se fait surprendre avec la frappe de Molo. Mais sinon, on va dire que c'est relativement tranquille. Il fait des interventions, il coupe plein de trajectoires. On sent quand même qu'il est très rassurant. Maintenant, moi, ce que je pourrais sanctionner, on va mettre directement Alex, avec un note de 6 sur 10. J'ai trouvé que avec Leverkusen, ou alors avec l'AS Saint-Etienne, quand Paris commence à se retrouver un peu acculé, et que Saint-Etienne ou Leverkusen, que l'équipe adverse joue très offensif,
À ce moment-là, eh bien, les défenseurs ont beaucoup de mal, et c'est ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que dans ce match-là, c'est-à-dire que quand Molo, quand Mayençal, ou Guilavogui s'est retrouvé à bout portant, eh bien, à ce moment-là, eh bien, Thiago Silva et Alex, j'ai trouvé la défense parisienne, en tout cas le système défensif parisien en grosse difficulté. Et justement, eh bien, c'est pour ça que je mets la note de 6 sur 10, parce que j'ai trouvé quand même que malgré qu'il n'y a pas eu de but, j'ai trouvé l'équipe parisienne beaucoup moins sereine que d'habitude. Ça a commencé à Bastia, ça a continué à Leverkusen, se confirme contre l'AS Saint-Étienne. Faudra peut-être que les Parisiens réajustent cela parce que, comme l'a dit Laurent Blanc, ils n'ont pas été bons. Mais Thiago Silva et Alex se faire surprendre plusieurs fois. Alors certes, il y a eu des interventions propres, mais si Saint-Étienne avait été plus adroit, Saint-Étienne aurait pu se retrouver vraiment avec un 2-1, un 2-2, un 3-2. Et bien évidemment, on aurait dit à ce moment-là, est-ce qu'on aurait dit la même chose sur le Paris Saint-Germain et sur les deux buts de Zlatan Ibrahimovic? Mystère et boule de billard. Allez, maintenant place à Maxwell. Donc Maxwell, bon, un match très tranquille de Maxwell. D'un côté, comme Zuma ne montait jamais. Finalement, défensivement, il a été très tranquille. Il a prêté main forte d'ailleurs à ses défenseurs au besoin. En plus de ça, il a distillé d'excellents ballons, notamment une passe en retrait pour Cavani, qui peut bien sûr aurait peut-être pu la mettre au fond. Bon voilà, 7 sur 10, parce que finalement, eh bien, il a fait un match plein, un match sérieux et un match de qualité. Et finalement, eh bien, peut-être que Jallet devrait prendre exemple sur Maxwell pour réussir à faire mal. Et d'ailleurs, je pense d'ailleurs pourquoi le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de mal durant ce match. C'était aussi parce que, eh bien, Jallet avait pas Van der Wiel a tendance aussi à monter sur le côté droit, ce qui empêche souvent le latéral gauche de monter. Là, j'ai trouvé quand même que, étant donné que Jallet jouait très bas, peut-être qu'à ce moment-là, la AS Saint-Étienne a eu plus de difficultés. C'est pour ça aussi que la défense centrale a eu beaucoup plus de difficultés, plus de travail que d'habitude. Allez, maintenant place à Thiago Motta. Thiago Motta, décidément, avec Saint-Étienne, c'est pas trop son truc. Hein. Au match aller, on a vu qu'il avait d'énormes difficultés. Ça s'est confirmé au match retour, où bien sûr il a eu des. Alors, en première mi-temps, ça va encore. On le voit, il oriente le jeu, il se débrouille plutôt bien. Malheureusement, on a vu que la deuxième mi-temps a été beaucoup moins bonne. Parce que voilà, il a récupéré très peu de ballons par rapport à d'habitude. Et surtout, bah, on voit qu'il ne saute pas. Il ne saute pas sur la tête de Guilavogui. Et si jamais, eh bien, Guilavogui aurait pu la mettre au fond, ça aurait été pour lui ce but. Donc finalement, petite sanction. Alors sans conséquence pour Thiago Motta. Mais attention quand même, parce que Thiago Motta, bien évidemment. Si jamais il avait eu en face de lui une équipe beaucoup plus forte, et eh bien Thiago Motta plus à droite, Thiago Motta aurait pu prendre une note de 6 là pour l'instant parce qu'il n'a pas fait, on va dire, de grosses erreurs. Mais si jamais il avait pris un but pour lui, la note de 6 serait descendue au-dessous de la moyenne. Donc il faut faire un petit peu attention pour Thiago Motta. Surtout qu'il a été pour moi inférieur aux deux autres. Et les deux autres, ce sont deux petits Français que vous connaissez bien sûr. Le premier, bon, forcément, hein, difficile de ne pas l'oublier, c'est Blaise Matuidi. Blaise qui a été incroyable encore durant ce match. L'homme, il a été partout. Il a abattu un travail extraordinaire au milieu de terrain. Moi, je suis vraiment épaté par le rendement de ce joueur. On verra bien sûr s'il est capable de continuer durant la saison, parce qu'en plus il se repose désormais. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le jour où il va y avoir un pépin physique. Parce que pour l'instant, on va dire ça va. Il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de blessure grave. Est-ce qu'il sera capable de faire ça durant une saison, si jamais il a une petite blessure de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? Je trouve quand même qu'il faut se méfier de ça. Après le reste, pour l'instant, c'est pas ça. Parlons pas de malheur. Pour moi, aujourd'hui, Blaise Matuidi, on va le dire, est l'un pour moi de l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Vraiment, au niveau de la projection en avant, au niveau de la récupération, c'est vraiment un jeu. Alors, certains diront oui, mais il joue à Paris, il joue en France, il connaît. S'il joue au Barça, il pourrait pas s'en sortir. Il joue dans une équipe qui, en plus, a le jeu pour lui. Oui, soit. Mais on va pas non plus commencer à critiquer le jeu du Paris Saint-Germain et de dire c'est à cause du Paris Saint-Germain ou c'est grâce au Paris Saint-Germain, vous faites votre because, grâce au Paris Saint-Germain, si Matuidi joue bien. En général, quand un joueur joue bien, c'est parce que l'équipe joue bien, et quand l'équipe joue bien, c'est parce qu'un joueur joue bien. Donc finalement, pour moi, Blaise Matuidi a été extraordinaire, et pour moi, ce match a été tout simplement extraordinaire pour lui. Il offre d'ailleurs les deux buts, il est à l'origine des deux buts pour le Paris Saint-Germain, donc ce match plein pour Blaise Matuidi. Allez, maintenant place, eh bien, à Johan Cabaye, qui était titulaire à la place de Marco Verratti.
Bravo à Marco Verratti, je sais qu'il n'entendra pas, mais bravissimo pour Marco Verratti, bien sûr, qui est papa désormais, papa d'un petit garçon, d'une petite fille, je sais plus, mais en tout cas, c'est fait. Mais c'est vrai que pour lui, son remplaçant a été, pour moi, extraordinaire. Moi, je trouve que, voilà, on voit la différence entre Cabaye et peut-être un joueur comme Rabiot. Rabiot, il manque encore d'expérience, il est jeune. Cabaye, voilà, c'est le métier, c'est vraiment la sérénité au milieu de terrain. Que dire quoi? Que dire que de ce joueur qui vraiment a fait une très belle orientation du jeu, il frappe. Alors la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que bon, ok, il oriente bien le jeu, il passe des ballons, mais j'aimerais plus qu'il se projette vers l'avant. C'est vrai qu'il est. Bon après tu me diras, je compare à Matuidi, donc finalement c'est compliqué. Mais il aurait peut-être plus se projeter plus. Le petit défaut que je pourrais lui donner. Mais après, sinon, on va quand même pas râler à chaque fois. Pour moi, Johan Cabaye, c'est une vraie possibilité pour le Paris Saint-Germain. Avant, ils avaient, eh bien, Rabiot, ils avaient Pastore, et surtout, bah, la démonstration est assez forte. C'est-à-dire que quand Verratti sera plus là, bah, c'est Pastore qui prendra sa place. Et toutes les personnes qui disaient, ouais, mais Pastore, Rabiot, ils sont titulaires, Johan Cabaye, il jouera jamais. Et eh bien, finalement, voilà, Johan Cabaye, il joue. Il joue plutôt bien. Je sais pas combien de matchs il a fait depuis son arrivée, mais il a joué quand même un nombre important de matchs. Il est peut-être moins titulaire que les trois. Mais d'un côté, comment tu veux déloger trois joueurs qui sont inamovibles depuis le début de la saison? Faut aussi réfléchir quand on parle un petit peu, n'est-ce pas, monsieur Matou? Allez, maintenant on passe à Lavezzi. Moins bon que. Bon, après, mais c'est difficile de juger les équipes de Lavezzi parce qu'il a toujours fait ce qu'il sait faire. Il est combatif, il met beaucoup de cœur, il n'arrête pas de déborder au milieu de terrain, enfin, sur son côté gauche. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. En plus, il a fait un super centre qui aurait pu. Voilà, Christophe Jallet, les centres. Un super centre pour Zlatan Ibrahimovic qui aurait pu couper parfaitement. Et là, il aurait marqué le but vraiment qui aurait calmé, on va dire, les Stéphanois. Mais sinon voilà, c'est excellent, il tente une frappe un peu trop croisée. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est que j'ai trouvé un peu plus maladroit que d'habitude, et il a moins frappé au but. Alors est-ce qu'il a essayé un petit peu de canaliser tout ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai trouvé qu'il était moins étincelant que d'habitude. Après, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai qu'on va commencer un peu à être exigeant avec Lavezzi. Il a pas marqué, mais il a été disponible, donc finalement. Je lui mets la note de 6 sur 10 parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire, mais il n'a pas fait plus que ce qu'il avait à faire. Voilà, c'est peut-être ça que je pourrais lui reprocher. Ensuite, on va passer au deuxième. Alors, certains diront peut-être que j'ai été généreux. Parce que c'est vrai que Cavani, à part la passe décisive qu'il fait pour Zlatan, c'est relativement décevant. C'est vrai d'un côté. Mais après, il n'y a que ça. Après, quand on regarde vraiment sa prestation. Il faut reconnaître qu'il a réalisé pas mal de frappes. Franchement, Zlatan, il lui a offert plein de caviar. Deux possibilités, notamment une où il part vraiment tout. Il part en profondeur. Il n'arrive même pas à qu'on voit le contrôle. Il est imprécis. Alors on voit le match contre Nantes. Souvenez-vous, en début de saison, il prend le contrôle, frappe et but. On voit qu'il y a des difficultés. On voit également la reprise de volée. Alors, à un moment donné, peut-être qu'il aurait pu la contrôler et frapper au but. On sent que le joueur, il n'est pas serein. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Alors, soit on parle de problèmes personnels, mais moi, je juge pas les problèmes personnels. Je juge tout simplement la prestation du joueur par rapport à ce qu'il fait. Mais il faut reconnaître une chose, c'est pour moi, Edinson Cavani n'est pas au niveau. Alors, certains parleront de sa blessure, certains parleront de ses problèmes personnels. Mais pour moi, depuis le début de la saison, eh ben, pour moi, Edinson Cavani n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à l'autre, qui forcément, bah, c'est Zlatan Ibrahimovic. Que j'ai besoin de faire un speech sur Zlatan. C'est-à-dire que Zlatan, déjà, qui vient de faire pas tomber le record de Carlos Bianchi, déjà. Mais plus que ça, c'est quelqu'un qui vraiment est quelqu'un d'extraordinaire, on va dire. Il est disponible pour les autres et il rend disponible les autres. Donc ça veut dire qu'à la fois, il sait être buteur, puisqu'il a marqué 2 buts. Il sait également frapper au but. On voit la frappe, la mine qu'il met sur les mines qu'il met à chaque fois. C'est impressionnant. Et de l'autre côté. Bah, on voit que bah, il est capable également de distiller des ballons à Cavani, donne des ballons à Lavezzi, donne plein de ballons comme ça. Donc ça veut dire en clair que d'un côté c'est vraiment un joueur complet. Et moi la première chose que j'ai envie de dire c'est que oh, pourquoi la Suède n'est pas à la Coupe du Monde? Parce que sincèrement ce joueur-là à la Coupe du Monde il aurait vraiment éliminé de sa classe. Pour moi Zlatan Ibrahimovic c'est vraiment une énorme perte et pour moi bah, le Paris Saint-Germain s'en sert parfaitement. 8 sur 10 pour Zlatan Ibrahimovic. Allez, maintenant place
à la SSE. Vous savez, j'ai parlé à un moment donné, souvenez-vous, du match contre Lyon. J'avais parlé du match en disant, Saint-Étienne, ils ont fait première mi-temps, voilà, pas grand-chose. Deuxième mi-temps, beaucoup bien meilleur, après le but de Lyon. Et bien finalement, c'est la même chose du côté de l'AS Saint-Étienne. C'est-à-dire que ils ont fait une première mi-temps assez décevante. Bon, ils ont plus vu les Parisiens, ils ont plus couru derrière le ballon, qu'ils ont plus passé leur temps à avoir le ballon. Alors certes, ils ont eu un moment donné où ils ont été un peu mieux, mais sinon, la deuxième mi-temps, c'était parfait. Ils ont eu des occasions, ils ont eu la possession du ballon qui était beaucoup plus réduite. Alors tout est relatif quand on parle du Paris Saint-Germain, mais ça prouve une chose. Pourquoi n'ont-ils pas fait la même chose que le match aller? Parce que la deuxième période, c'est le match aller finalement. Beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, beaucoup dans les duels, beaucoup de pressing, beaucoup d'interventions, beaucoup de frappes. Et c'est ça en fait qu'ils ont fait. Et moi je trouve, finalement, et beaucoup plus de passer sur les de changements de situation, avec des joueurs sur les côtés, le côté gauche, dans l'axe, des joueurs sur le côté droit, des occasions, des accélérations. C'est peut-être ça qui a manqué du côté de la première mi-temps. Parce que s'ils font ça en première mi-temps et en deuxième mi-temps, mais Zlatan tu le vois pas. Parce que pourquoi? Il y a pas mal de joueurs qui auraient pu le marquer. Et plus important, on a vu que si Thiago Motta avait été en difficulté, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, l'équipe a bien joué. Et ça, justement, eh bien, ça prouve quand même que cette équipe avait des qualités pour faire mettre à mal le Paris Saint-Germain. Allez, maintenant, place aux notes. Je trouvais sévère quand même certains dans Foot Mercato qui ont mis 4 ou 5 sur 10 pour Stéphane Ruffier. Sincèrement, j'ai trouvé quand même Stéphane Ruffier très bon. Je trouvais qu'il avait fait plusieurs arrêts de très grande classe. Le coup franc de Zlatan, la frappe de Cabaye, même si la frappe est bien sûr à l'extérieur de la cage. Moi, j'ai trouvé vraiment qu'il a été très intéressant et surtout, il ne peut rien sur les deux buts. Le premier but, ça passe très bien pour lui. La frappe, elle est forte. Et la deuxième, c'est un coup de ciseau, c'est un coup de Trafalgar de la part de Zlatan. Lui, vraiment, il voit que la balle rentrait. Et pour moi, le problème vient surtout des défenseurs qui n'ont pas fait le métier pour cette histoire-là. On va dire Christian Ruffier, pour moi, 7 sur 10, parce qu'il a fait les arrêts qu'il fallait durant ce match. Ensuite, on va passer bien à Kurt Zouma. C'est vrai que j'avais pas trop envie de le sanctionner. Parce que, on sait, Kurt Zouma, c'est pas un latéral droit. C'est un joueur qui, pour moi, est un défenseur central de formation, qui ira à Chelsea d'ailleurs. Et forcément, ça s'est vu, parce que Lavezzi et Maxeux se sont fait plaisir durant tout le match. Et là, en plus, quand Lucas est arrivé, ça a été un petit peu pareil. Cavani, alors qu'un petit peu plus à gauche, a été plus en facilité, un petit peu plus calmé avec Zouma, mais c'est vrai que offensivement, ça a été le néant. Et du côté défensif, ça a été très compliqué pour lui, parce que c'est vrai qu'il a dû malheureusement jouer avec les courses de la part de Maxwell et de la part de Lavezzi, et quand t'es pas doué pour ce poste-là, finalement t'arrives pas. Et on a vu contre Marseille, ça a été très difficile pour lui. Et contre Paris, c'est pareil, à un moment donné, il faut pas mettre des joueurs. Alors je sais que Christophe Galtier n'avait pas de latéral droit, mais je me demande pourquoi il a pas mis Brison sur le côté droit. Il aurait peut-être pas pu monter un peu plus, mais je pense que il aurait peut-être pas pu monter, mais au moins il aurait pu apprendre un petit peu les règles du latéral droit. Et on sait qu'un certain Raymond Domenech mettait Galas à gauche. Donc finalement, s'il faut se faire plaisir, enfin Galas à droite ou Galas à gauche, je sais plus, mais il mettait bien sûr dans son mauvais pied. Alors finalement, faites-vous plaisir, mettez ça, ou alors mets un milieu de terrain droit sur le côté droit, à la limite, ça sera peut-être plus de choses par rapport à ça. Mais finalement, il a mis Kurt Zouma, ça a été une véritable lutte. Problème, surtout que le problème, c'est que on va parler bien sûr du latéral gauche, mais avant toute chose, on va parler bien sûr des défenseurs centrales. Ça a posé peut-être aussi des problèmes du côté du défenseur central, parce que le problème, c'est que Bayalsal, il a fait un match catastrophique. On a vu que il remet en jeu. Alors, on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec bien sûr ce contre de Bayalsal et pourquoi l'arbitre. Il y a certains qui disent que l'arbitre a été lésé. D'autre côté, l'arbitre a tout simplement avantagé le Paris Saint-Germain. On va vous expliquer. Si vous voulez, quand le joueur parisien, je crois que c'est Zlatan passe le ballon, en fait, Bayalsal touche le ballon, Zlatan le récupère, et là il veut repasser le ballon à Blaise Matuidi. Et à ce moment-là, le ballon est touché par Bayalsal. Donc, étant donné que c'est un défenseur qui touche le ballon, l'arbitre lève le drapeau, c'est vrai, parce qu'il voit, il pense à ce moment-là possible, mais je pense que c'est l'arbitre central qui lui dit « baisse le drapeau », c'est bon.
le ballon touche, et donc comme Maël Sall touche le ballon, en fait, il remet en jeu Blaise Matuidi. Parce qu'un défenseur central, c'est comme si vous mettiez une passe en retrait, vous mettiez une passe en retrait, et l'attaquant touche le, récupère le ballon. C'est la même chose. Et donc à ce moment-là, donc après il y a l'histoire d'un volontaire qui peut se discuter, mais comme Maël Sall touche le ballon et met une trajectoire à ce ballon, à ce moment précis, eh bien, Blaise Matuidi récupère le ballon, et donc c'est pour ça que Maël Sall a le ballon. Mais en plus de ça, Maël Sall est responsable dans ce but. En plus de ça, bah, il laisse Ibrahimovic complètement seul. En plus de ça, moi je l'ai trouvé très limite, et d'ailleurs on a vu qu'il a attaqué plusieurs fois avec Maxwell. Je pense que la raison est simple, c'est que Zuma n'arrivait pas à s'en sortir sur son côté droit, et finalement il a voulu lui prêter main forte, mais j'ai trouvé quand même les tacles très limites du côté de Maël Sall, notamment un tacle où il met les deux pieds décollés du sol. Sincèrement, si c'est pas pour moi, même s'il joue le ballon bien évidemment, mais on va, si jamais Maxwell se fait valdinguer dans tous les sens, pour moi c'est penalty direct. Donc pour moi, il y a penalty. Bon, monsieur Jaffredo n'a pas voulu, mais moi je trouve que quand même l'arbitre a quand même pas accordé ce penalty, peut-être aussi par rapport à Maël Sall qui s'est dit bon, on va pas lui mettre non plus une deuxième double peine parce que ça pourrait quand même être assez difficile pour lui. Bon, ensuite il a été un peu mieux après la deuxième mi-temps, mais ça a été un peu à l'image de l'équipe. Mais c'est vrai que à part une frappe, c'est vrai que ça, pour moi, ça reste très mince. Et pour moi, Maël Sall, pour moi, n'a pas réussi à enlever le fait que pour moi son match a été globalement décevant. Ensuite on a eh bien Loïc Perrin. Alors j'ai mis un peu mieux parce que bien il est responsable dans le deuxième but, mais il n'est pas responsable dans les deux buts. Donc je lui mets la note de 4 sur 10. Mais c'est vrai que ça a été relativement décevant pour lui. Ça n'a pas été le rock de Saint-Etienne le plus impressionnant. Et c'est pour ça que je tenais justement à lui mettre la note de 4 sur 10. On va revenir maintenant pour les latérales. Parce que bien évidemment, bah, Trimoulinas a été excellent dans ce match-là. Et c'est peut-être ce qui a manqué du côté de Saint-Etienne. Quand on regarde bien la SSE, bah, on voit que le côté gauche, ça débordait très bien. De l'autre côté, eh bien, on s'est rendu compte que malheureusement, Zuma ne débordait pas. Je pense que si Zuma et Trimoulinas avaient joué sur les côtés, je pense que ce pari aurait eu de grosses difficultés. C'est ce qui s'est passé au match aller. Malheureusement, au match retour, ça n'a pas eu ça. Et finalement, eh bien, Trimoulinas a essayé avec pas mal de débordements à aller sur le côté gauche. Il a essayé de dégainer une belle frappe que Sirigu doit sortir. Donc finalement, il a fait un très bon match, Trimoulinas. Mais il a manqué un peu de soutien et c'est le problème. C'est que comme pour Rooney, quand j'en parlais du côté de Manchester United, il a peut-être eu plus de support en deuxième période. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, il a été le seul à surnager. Donc finalement, pour moi, ça fait 6 sur 10. Parce qu'il a été bon, mais il n'a pas été très bon. Voilà. Allez, maintenant place au milieu de terrain désormais. Avec donc Jérémy Clément. Bah écoute, Jérémy Clément, il était bien sûr au Parc des Princes. L'année dernière, il n'a pas pu y jouer, je crois, parce qu'il y a eu cette... Si, il a pu y jouer parce que c'était Saint-Etienne-PSG au match retour. Bah, il faut dire simplement, voilà, il a eu des difficultés, franchement. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est que Jérémy Clément, son objectif, à la base, moi, je suis Jérémy Clément, je bloque Zlatan. Pour moi, je bloque Zlatan pour éviter qu'il recule. Et surtout, quand ça commence à accélérer, on voit que Blaise Matuidi a beaucoup été projeté vers l'avant. Tu suis Blaise Matuidi. Et le problème, c'est qu'il a pas suivi Blaise Matuidi. Et en plus de ça, il était Zlatan faire ce qu'il veut. Donc pour moi, c'est vraiment un match qui a été complètement oublié. En plus de ça, il n'a pas réussi à récupérer les ballons. Au niveau de la sortie de balle, c'était catastrophique. Donc pour moi, 4 sur 10, parce que pour moi, ça reste vraiment un match pour moi catastrophique du côté de l'ancien Parisien. Ensuite, on passe à Guy Lavogui. Bah écoute, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui s'est passé à Lorient. Et bien, ce qui s'est passé à Paris, c'est la même chose. Guy Lavogui, on pourra toujours se demander pourquoi il a été sélectionné par Didier Deschamps. Parce que pour moi, ce match-là révèle totalement les difficultés de choisir Guy Lavogui. Il y a d'autres grands milieux de terrain qui méritent d'être sélectionnés en France. Pour moi, Guy Lavogui n'en fait pas partie. Alors, soit on va encore me dire, oui, mais l'année dernière. On va pas commencer un petit peu à juger. Reprenons Lucadine, par exemple. Lucadine, il joue peu, mais il est efficace. Guy Lavogui, il joue, mais il n'est pas efficace. C'est la réalité. Et aujourd'hui, pour moi, Guy Lavogui, il a très peu pesé dans le jeu de son équipe. Et moi, je trouve, justement, et eh bien, en plus, il aurait pu sauver son match avec une tête à bout portant qui passe dessus. Sincèrement, le mec, il te fait un décollage express. Il n'arrive pas à rabattre le ballon à bout portant. En plus, Thiago Motta le laisse un petit peu tirer où il a envie.
Pour moi, sincèrement, c'est une très grosse déception pour moi dans ce match-là. Je pense que Guilavogui doit très très vite se remettre en question. Alors, soit on va parler du match contre l'AS Monaco, oui, mais si tu fais un bon match sur 10, c'est pas suffisant, mon pote, hein. Donc, finalement, pour moi, Guilavogui n'a pas été dans le match. Alors, soit c'est vrai que Lemoine n'a pas été là, mais je comprends pas vraiment pourquoi Renaud Coad n'a pas été titulaire, qui avait été très très bon d'ailleurs au match aller. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Ensuite, on va parler bien sûr de Franck Tabanou. Franck Tabanou qui a été très bon, hein, on va pas le dire. En première mi-temps, il a beaucoup essayé de permuter avec Benoît Tremoulinas. Je trouvais très intéressant. Il a essayé des frappes, il a essayé d'être disponible pour ses joueurs. Après, en première mi-temps, bah, Saint-Étienne a eu du mal. Deuxième mi-temps aussi très très bonne. Voilà, il a été très très bien dans ce match. Il a été remplacé par Mervut Terding qui a été aussi disponible. Une frappe de Mervut Terding que Sirigu détourne également. Très très bien Erding. Après c'est vrai qu'on voit la différence bien sûr avec l'autre qu'on va parler, l'attaquant. Vous savez, je n'ai pas touché, je n'ai pas touché. Vous voyez ce qui je parle. Qui malheureusement eh bien a fait un match pour moi. Voilà, on va pas parler pour l'instant parce que je garde ma rage pour plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, Erding a été très bon dans ce match, comme l'a été Franck Tabanou, 6 sur 10. Ensuite, on a eh bien ma déception. Parce que vous savez, au match aller, j'avais fait des louanges sur lui, j'avais parlé de lui en bien, en même très bien. J'avais dit que il avait été incroyable, qu'il avait fait un pressing sur Thiago Motta. J'avais dit que ça avait été un joueur incroyable, fantastique, qu'il avait récupéré plein de ballons, il avait frappé au but. Bah finalement, il n'y a pas eu ça. En fait, il a récupéré beaucoup de ballons. 40 ballons pour information. On a perdu 50%. Les fans de maths pourront savoir justement combien de ballons il a perdu. Mais c'est vrai que ça a été pour moi assez décevant, notamment en première mi-temps. La deuxième mi-temps a été bien meilleure. Et d'ailleurs, je pense que le fait que Romain Hamouin n'a pas joué avec lui a été pour lui un gros problème. Et surtout, bah, il a été placé sur le côté gauche. Mais on voit que sur le côté gauche, c'est pas sa tasse de thé. Et pour moi, je comprends pas pourquoi il n'a pas essayé de jouer sur le côté gauche avec Tremoulinas en permutant beaucoup plus. Parce que le problème, c'est qu'en mettant eh bien, les deux. Je pense que eh bien, Benjamin Cornier aurait été beaucoup plus en facilité, il aurait pu mettre à mal eh bien, Christophe Jallet. Il l'a fait plusieurs fois, mais ça n'a pas été suffisant. Alors en deuxième mi-temps, ça a été mieux, il réussit quand même à récupérer le ballon sur la frappe de Molo, mais c'est vrai que ça reste quand même assez timide par rapport à ça, et donc je mets la note de 4 sur 10. Allez, maintenant place à Johan Molo. Bon, là, il a quitté à Monaco avec une tête de merlan en vrille parce que malheureusement, il jouait pas. Bah c'est vrai que bah, ça a été le match à l'image de la SSE. C'est-à-dire que il a fait une première mi-temps où on l'a pas vu. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai pas vu. Et une deuxième mi-temps bien meilleure où il dégaine une frappe que Sirigu détourne. Il a été très remuant sur le côté gauche. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont mis sur le côté gauche après. Et là, à ce moment-là, bizarrement, bah, il a réussi à mieux s'en sortir. Et bah ça prouve quand même. Voilà, il a eu quelques possibilités. Il a été placé sur le côté droit. Il a beaucoup bougé pour faire bien. La seule chose que je pourrais lui donner comme défaut. En deuxième période, c'est les centres. Oh putain, les centres, nom de Dieu, il y a les centres, faut qu'il apprenne à en faire. Il a fait des centres, putain, on dirait Jallet au PSG. Ah ouais, non, mais pour moi, c'était vraiment, c'est pour moi pas bon. À part ça, vraiment, s'il avait fait des bons centres, je pense qu'avec les jeux de tête de ses attaquants et surtout bah, du pouvoir offensif qu'il avait à ce moment-là. Je pense que la SSE aurait pu vraiment frapper parce que il y a eu très très peu de frappes de la tête finalement, à part celle de Guilavogui. J'ai pas de souvenir qu'il y a eu des il y a eu 2-3 têtes, mais sinon c'était relativement décevant quoi. Faut être un peu plus conquérant parce que sinon ça va pas. Allez, maintenant on va passer au dernier. Bon, bah le dernier, qu'est-ce que tu veux que je dise hein? Voilà, en plus le mec se permet de venir en disant moi il veut jouer pour la Coupe de France. Mon silence veut dire simplement ce que je veux dire, c'est que voilà, hein. Didier Deschamps le sélectionne, pour moi je rigole sur place. C'est la pire blague de la journée. Alors certes, il a offert une qualification à l'Olympique de Marseille avec Didier Deschamps contre l'Inter Milan. Mais il faut arrêter les conneries. Ce mec-là, c'est pas un footballeur. Ce mec-là, c'est. Si tu veux, tu sais quoi? Vince McMahon recrute des catcheurs. Il recrute des catcheurs, il recrute même des gardiens de but. Il y a eu un gardien de but qui a été recruté, alors je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle donc. Attends, on va le donner le nom parce que Brandao a envie de se mettre au catch en ce moment. Bah oui, Wrestling Football. Donc attendez, on va trouver le nom. Bah attendez, il s'appelle. J'arrive, hein, j'arrive, vous inquiétez pas. Stuart Tomlinson. Donc, fais comme lui, va faire du catch. Mais carrément, t'as mis un coup de coude, mon pote. On aurait dit le coup de coude de Bob Ryan, le coup de coude de Ziggler, on aurait mis le coup de coude de Roman Reigns. Sans déconner, vas-y!
Va faire du catch, mon pote, parce que pour l'instant, le foot, t'es nul. Tu es nul. Comment tu peux mettre un coup de coude à ce point-là sur un cabaye? Et le mec, il regarde tout le monde en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, arrête. Pour moi, je déteste ce mec. En plus, ce mec-là, cette... des fois, je fais des louanges au match aller. Au match aller, il a été disponible. Mais ce mec-là, à part mettre des coups, il sait rien faire. Dans ce match-là, il a fait que ça. Et en plus de ça, on le voit à la fin. Oh, tiens, je te demande mon maillot, Thiago. Oh, Lucas, fais-moi ton maillot. Pour moi, ce mec-là, c'est comme Thauvin. C'est-à-dire que le mec, voilà, je parle, je parle, je parle. Mais il n'y a rien sur le terrain. Et c'est pour ça que je lui mets la note de 1 sur 10. Parce que pour moi, le geste sur Cabaye, ça représente son match. Pour moi, il a été catastrophique. Et en plus de ça, il a été méchant. Donc pour moi, A plus B, ça vaut 1. Voilà. Vous comprenez, hein? 0 plus 1, ça fait 1. Bon, allez, maintenant, on va passer. Bah, c'est fini, on va finir. Bah oui, il n'y a plus de match. Il n'y a plus d'équipe. Voilà. Désolé si je suis dur avec Brandao. Je suis certain que certains Stefanov vont sans doute me dire, ouais, c'est bon, voilà, jugement de valeur. Mais sans déconner. Si un Stefanov vient me voir en me disant, Brandao, il a joué des coudes, il a voulu jouer physique. Tu peux jouer physique. Je me dis le contraire. Maintenant, on voit Manchester United, Liverpool. Fellaini, des fois, il a voulu jouer physique. C'est pas le problème. C'est qu'à un moment donné, il y a physique et méchanceté. On a plusieurs fois critiqué des défenseurs, je pense bien sûr à De Jong, d'avoir été, pour moi, méchant. Bah, moi, j'estime d'avoir été violent. On pense bien sûr à ce geste inadmissible sur Xabi Alonso en Coupe du Monde 2010. Et ben, pourquoi je serais gentil avec Brandao? Voilà, c'est tout. C'est juste ce que j'ai à dire. Après, s'il y a des gens qui disent jugement de valeur, regardez le match. Pour moi, son geste, ça, encore il y aurait eu autre chose. Il y aurait eu, par exemple, un but, il y aurait eu, je sais pas, des récupérations de balles, etc., des occasions. Il aurait été présent, il a touché quasiment pas de ballon. Donc finalement, plus que ça, bah finalement, ça fait un. Pour moi, ça donne ça. Bah, tout simplement. Allez, on va s'arrêter là. On va se retrouver, bien évidemment. On va commencer, bien sûr, à parler du programme de cette semaine. Vous le savez, n'hésitez pas à aller voir le programme de la semaine si vous avez besoin de savoir ce qui se passe. Donc, premier lieu, vous aurez les notes de Manchester United contre l'Olympiakos, Marseille-Rennes, et enfin le Classico espagnol Barcelone, Real Barça. Voilà, c'est ce qu'on vous propose. Enfin, c'est ce qu'on vous propose cette semaine. Si vous avez besoin de faire quelques petits matchs de plus, vous me demandez, je verrai si c'est possible. Je vous rappelle que j'ai un catch qui pourrait, j'ai du catch dans les mains et bien sûr des jeux vidéo aussi. Donc, faut que j'arrive à gérer par rapport à ça. Bon bah voilà, merci à vous tous d'avoir été présents pour tous ces matchs. Je vous retrouve bien évidemment la semaine pour Manchester United Olympiakos avec, on espère peut-être, moi j'espère parce que bien sûr j'adore Manchester United, une victoire de Manchester United et donc une qualification. J'aimerais bien un PSG Manchester United. Moi je sais pas, je vis ça comme ça. Bon allez, allez, c'est mon animo parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.